Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur les Lego Star Wars, la saga Skywalker. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Et cette fois, il me semble qu'on part avec l'épisode Les Derniers Jedi. C'est ça. Et ensuite, le tout dernier. Mais d'abord, là, il y a deux épisodes à faire ici. Plus optimiste, c'est pas la plus dingue des missions qu'on ait eu à accomplir. Ah, des bips joyeux. Oh, ça va, c'est juste ça se balader. Entre nous, commandant Damon. Bip bip. Je partage l'opinion du droïde. Merci pour. Ah, désolé pour le dialogue. Allez, c'est parti. Hein? Oh, communiqué urgent, monsieur. D'un certain Podamron de la flotte de la République. Oh, quelle ressemblance. Comment va votre mère, monsieur? Anéantissez-les! BB-8, mets les gaz! Ils font sur le cuirassé. Bien, je vais m'occuper de leur cadeau. Nani, avancez votre approche. Bien reçu. Eh ben, on peut dire qu'ils se sont lâchés sur le nombre de canons. C'est parti, c'est la guerre. Ah la queue le. Ah. Voilà la cavalerie. Faut en détruire combien? Heureusement que c'est pas moi qui pilote, parce que là on aurait mangé le mur direct. Attends, 10 vaisseaux, 10 tourelles. C'est pratique, il spawn là. Wow, j'ai tiré d'alto. Quatre tourelles encore. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Viens ici, tu. L'évacuation est presque terminée. Tenez un peu plus longtemps. Nickel. Évacuation terminée. Vous avez réussi, Po. Revenez ici avec votre équipe que nous puissions quitter les lieux. Non, Général, on peut le faire. On a une chance de détruire un cuirassé. J'ai dit décrocher maintenant. C'est un ordre. La connexion est mauvaise. Je dois y aller. Escadrille. Je passe sous un tunnel. Bombardier, restez en formation serrée. Les chasseurs, en couverture. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de détruire un cuirassé. Alors on se rate pas. Oh, c'est quoi ça? On va y arriver, bébé, vite. On va abattre un
Ah bah, laisse-moi déjà dégommer les petits avions, hein. Ils sont où? Moi je tue les collègues, hein, tant pis. Oh, j'aime pas ce vaisseau-là. En plus, je peux même pas bouger. Sur 4, y'en a qu'un qui meurt. Allez, shoot-le! Plus qu'un, le dernier, je sais pas comment je l'ai eu, mais. On l'a eu. Alors, on doit dégommer quoi là? Mais quel pilote! Attends, c'est lesquels qu'il faut dégommer là? Je comprends pas. Ah, là-bas. Ici, il faut. Je meurs. Ok, j'ai encore 3 missiles. Hop, pivoter. Nous les tenons au bout d'une corde. L'invincible Kylo Ren enlève ce masque ridicule. Tu n'es qu'un enfant derrière un masque. Préparez mon vaisseau. Bien joué, l'ami. Finn qui perd les os, quoi? Finn, mon pote! Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que... On va aller trouver quoi t'habiller. Viens. Bon, d'habitude, je suis pas forcément fan des passages où on pilote, mais là, ça va, j'ai bien aimé. C'était moins bordélique. Ouais. Une chose à la fois, l'ami. Allons d'abord trouver de quoi t'habiller. On va te trouver une veste et un pantalon. On devrait pouvoir trouver ça par ici. Il doit bien y avoir quelque chose. Oh là là, c'est compliqué. Quoi? Pourquoi ça fait erreur? Allez, viens. Peut-être mon joystick. Comme d'hab, il bug, hein. C'est pour ça que des fois il y a des petits à-coups de caméra là, que ça fait ça comme ça là. Qui a tout pris? C'est fou, hein. J'essaye de le maîtriser, mais bon. Servir et de ne jamais remettre en place. Si vous cherchez un peu dans le vaisseau, je suis sûr que vous trouverez quelque chose. Il est écrit ici que la dernière veste a été récupérée par un certain P. Dameron. Ce nom ne me dit rien. C'est pas ici? La veste devrait être dans cette armoire là-bas. Dans ça? Tu sais quoi? Je crois que j'aurais pu tout simplement ouvrir la porte en fait. Enfin bref, j'ai jamais aimé cette armoire de toute façon. Ah. Ok, super, ça devrait aller. Bon, maintenant retournons à la cabine que tu puisses te changer tranquillement.
Ouais, pas ouf la mission pour l'instant. Hein. Habille-toi, mon copain, tiens. Là, ton slip. Bien, je suis habillé. Où on va maintenant? Ok. On doit se rendre sur le pont pour un débriefing. On t'expliquera là-bas tout ce que t'as raté. C'est le vaisseau de Snoke. Ils ont suivi notre trace en vitesse lumière. C'est impossible. Suivez mes ordres. Commande maintenant. La vice-amiral Holdo est la suivante dans la chaîne de commandement. Merci, commandant. C'est quoi notre plan? Restez à vos postes et suivez mes ordres. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, juste quelques vérifications. Des vérifications sur des modules de sauvetage? Cette flotte est condamnée! Je dois prévenir mon amie Ray. Si elle revient, elle sera condamnée, elle aussi. Je vais vous dénoncer pour désertion. Je n'essayais pas de m'échapper. Je dois retrouver mon amie et l'avertir que ce vaisseau est condamné. On peut passer en vitesse lumière. Ils pourront nous suivre en vitesse lumière. J'ai vu où, madame? Ils pourront nous suivre en vitesse lumière? Oui. Et on est presque à court de carburant. Du traçage dynamique. Dans l'hyperespace, c'est une nouveauté. Mais le principe doit être le même. Donc seul leur vaisseau... À gauche ou à droite? On doit aller parler à Po. Mais on va où, là? Je ne sais pas. Introduire dans le destroyer stellaire pour le désactiver, qui saura où se trouve la salle des disjoncteurs? Le type qui la nettoyait. Si je peux faire en sorte qu'on s'y introduise... Je pourrais désactiver leur traceur. Mais pourquoi verrouiller une porte avec des cibles? C'est le seul moyen de s'assurer que tout le monde s'entraîne avec son blaster. Bah dis donc. D'accord. Le premier ordre ne suit notre trace que depuis l'un des destroyers, le principal. On doit aller le faire exploser? J'aime ta façon de penser, mais non. On monte à bord, on désactive le traceur. Notre flotte s'échappera avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Mais comment faire pour vous introduire tous les deux dans le cuirassé de Snoke? Trouvez le maître du décryptage. Vous le trouverez au casino de Canto Bight. C'est celui qui porte une fleur de plomb rouge à la chapeaudière. Cette flotte n'a plus que 18 heures de carburant. On doit faire vite. Je serai là pour nous faire passer en vitesse lumière. Canto Bight. Sur Cantonica. Bon. Je veux pas vous mentir, pour l'instant, bah, il est pas dingue l'épisode, hein. Tu vas pas m'électrocuter cette fois, hein. C'est encore trop tôt pour en rire. Je vais pas faire semblant. Oh, trop bien, trop cool, ouais, c'est incroyable, waouh! Il y a juste au début, pour l'instant, c'est sympa. Sinon, là, ce qui se passe dans le vaisseau... Ah, t'as pu faire une cinématique et puis c'est bien. Sûr qu'on peut se garer ici? Aucune importance. N'oublie pas, le maître du décryptage est celui qui porte une fleur de plomb rouge. Ça doit être le genre de type qui fréquente des endroits chics comme celui là-haut. Trouver le maître du décryptage, ça marche. Ouh, il m'a fait coucou. Bon,
Bon, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Je cours tout droit, c'est normal, c'est juste pour le scénario. Enfin, le scénario, voilà, ça reste les Lego, mais l'histoire principale. C'est vraiment... ça sera pendant les lives, on découvrira un petit peu plus les niveaux en détail. Sauf si je vois que c'est pas dingue. De toute façon, ça va être avec les... Ça va se faire avec les premiers films. Ça, on a refait dans l'ordre, quoi. Bien, fleur de flamme rouge. Où es-tu? Allons demander autour de nous. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Cet endroit est tellement cool. Il n'y a rien de semblable sur ma planète natale. D'accord. J'ai essayé de persuader le garde de me laisser entrer dans la fête privée du craqueur de code. Mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Un Twi'lek, je crois, un grand type avec des tentacules. Ok. Je n'ai même pas envie d'aller à cette fête privée. Une fleur de plomb rouge, c'est tellement dépassé. Et il s'imagine avoir de l'allure comme ça, quelle faute de goût. C'est vrai. Je vais parler à lui, vraiment. Oui. C'est une fée, lui. Pourquoi il y a tout ça? Ouais. Ça, c'est sûrement les défis ou je sais pas, petite quête secondaire. Aïe aïe! Ben j'ai envie de te parler! Il va falloir qu'on trouve un autre moyen alors. Oh bah quoique. Attends, dis-moi. Il y a quelqu'un s'amuser avec le piano. Il lui a fait un grand discours pendant que les restes d'entre nous sont entrés en douce. Ah bah ok, mais je dois faire quoi avec le piano là? Monsieur, faites-nous une chanson. Ah bon, c'est tout. Bah j'ai rien dit pour les défis. Une fleur de plume rouge. Le maître du décryptage. Tenez, voilà les contrevenants. Vous deux, je vous arrête pour violation de la loi de stationnement 27. Qu'est-ce qu'on va faire sans décrypteur pour nous décrypter l'accès au destroyer stellaire de Snoke? Je sais pas, à moins que t'aies un voleur dans ta poche. Je peux le faire. Quoi? Moi et les codes du premier ordre. C'est une longue histoire. Est-ce qu'il vient de... Votre attention, à tous les prisonniers qui ont été libérés, ces cellules peuvent être libérées. Nous souhaiterions vous rappeler que vous êtes dans une prison pour un hôtel, merci. Là-bas. Si on arrive à ouvrir cette bouche d'égout, on pourra s'échapper par là. Le problème, c'est qu'on n'a pas nos grappins. Il va falloir qu'on aille les récupérer dans la salle des gardes. Ok. Bah, trouvons tout ça, là. L'alarme. Si on l'active, les gardes viendront voir ce qui se passe. Pas de doute, ça les fera sortir de leur salle. Attends, tu me parles d'une, d'une alarme, mais je l'ai pas eu ton alarme. Us. Là. Ok, attends, il manque un bouton. Mais cette pièce-là, elle sert à rien au final. Juste pour des sous-sous. Bah, j'y travaille, tout le monde va s'enfuir, attends. Déclencher l'alarme bientôt pour faire sortir les gardes. Oui. Est le meilleur copain du monde. Oh.
Ah, construire, c'est quoi? Hey, qu'est-ce que tu regardes? On déclenche l'alarme, fille? Je fais les maraves. Je vais leur sauter dessus. Ta 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 la la ta ta la la. Oh non, l'attaque surprise a pas fonctionné. Vas-y la caméra, vas-y. Bien joué la caméra, t'as tout gâché. Attendez, je m'habille, hein. Et y a pas le casque? Non. Du coup, on a ouvert des cellules. Ouais, y a pas grand chose, hein. Ah, ce truc-là, on l'a vu là-bas. New BD. Oh, c'est qui me tire dessus? Une statue d'un des gardes pourrait être utile. Bah, il est trop tard en fait, on est repéré là. Vas-y, occupe-les. Laisse-toi faire! Tu y arrives, meuf? Oh, même pas. Ah, depuis le temps qu'on joue, je crois, on n'a jamais vu un allié nous aider, quoi. Attends. Oh! J'ai des grenades? Ah d'accord, je suis bien en garde maintenant, j'ai des grenades. Ok. Pour le faire péter ça. Une caisse. Pourquoi une caisse? On peut aller que de là à là. Ouais mais non. Il doit bien y avoir quelque chose ici pour maintenir l'interrupteur abaissé. Une idée? Mais l'alarme, ça sert à rien. Fuyez, pauvre fou! J'ai bien garde. C'est bon. De toute façon, ça sert à rien, j'avais déjà accès. Il est quelque part ici. En plus, il reste plus qu'un garde. Ah, on peut pas le taper. On dirait que nos affaires sont gardées derrière ce champ de force. Il suffit de désactiver ce générateur, non? On pourrait pas juste le détruire? Qu'importe tant qu'on récupère nos affaires. Ouais, mais attends, la caméra elle tourne pas! Quoi ça? Ouais, ça c'est. Ça a des petits défis à faire. Oh! Hamburger! Ah, vas-y, rebondis un coup! Alors fais-le! Rebondis! T'as plus envie? Je voulais qu'il rebondit, puis j'ai enlevé le trompeau. Bon, faut faire quoi avec ça? Taïo! Ah bah Manu, ça fonctionne. Bon, ça a carrément marché. Bon. Même un petit peu trop. Regarde!
prisonniers. Pile ce qu'il nous fallait. Oh, super. Regarde, un grappin. On a assez passé par ici. Fiche en camp. Salut! Ces policiers vont arriver d'une minute à l'autre. Et maintenant? Nous sommes de la résistance. Ils ont dû passer par là. Maître Skywalker. Ok. Ouais, on a rien gagné. Du coup, on doit aller là-bas. Là-bas. Pas le temps. Je ne veux pas parler avec toi. J'appartiens à la résistance. Votre sœur Leia m'envoie. On a besoin de votre aide. Vous m'entendez? Arrêtez de vous cacher. Je vais pas en rester là. On va devoir trouver un moyen de rentrer. Laissez-moi tranquille. Tu rentres par où? Par la fenêtre? Faut la casser? Monsieur, ouvrez! S'il vous plaît, arrêtez de me suivre. Mais enfin! Oh! Y'a quoi ici? Y'a pas grand chose. Moi, je vous trouve mignon. Écoutez, la résistance m'a envoyé. Quoi que tu aies à me dire, ça ne m'intéresse pas. Mais Maître Skywalker. Tu es toujours aussi agaçant? Je ne sais pas. Oh, la caméra. Attention, je te lâcherai pas. Hop, si tu vas aux toilettes, je serai là. Écoute, tu m'as l'air d'une fille bien, mais ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, monsieur. Oh. Maître Skywalker, c'est à propos du premier ordre. Ça sert à fuir, hein. Je sais que vous m'entendez. Je vais vous taper, hein. Attention. Allez, je t'ai doublé. Important, je vous en prie. Écoute, mon enfant, quel est ton nom? Rey. D'où viens-tu, Rey? De nulle part. Personne ne vient de nulle part. De Jakku. Effectivement, tu viens de nulle part. Peut-être devrais-tu repartir là-bas. Bon, mais dis donc. Écoute, si tu tiens tant à me suivre, pourquoi ne pas te rendre utile? J'ai perdu ma bouteille de lait. Retrouve-la et ramène-la-moi. Ah bon? C'est comme ça qu'on devient Jedi? Viens ici! Non mais oh! C'est quoi ça? C'est un pingouin? Il est chelou.
Qu'est-ce qui va vite? Ah. Ah bon, il y a la brique. C'est quoi ici? Bon. Bah, ils font la fête. On verra le moment venu. Sinon, ça va, vous? Un peu long, hein. Merci, mon enfant, mais ne crois pas que je te suis redevable. Ah bah si! Je connais cet endroit. Les textes Jedi originels. Pourquoi es-tu ici? Quelque chose en moi a toujours été ici. J'ai besoin que quelqu'un me montre ma place dans tout ça. Non. Trois leçons. Je t'apprendrai la voix des Jedi et pourquoi il est temps d'en finir. Ok. C'est par où? C'est là-haut, mais par où on passe? Voilà. Bon, on va voir si ça dure, si ça dure longtemps l'entraînement, si c'est pas comme avec Yoda. Mais si c'est assez rapide, bah on stoppera l'épisode. Puis bon, bah si je vois que c'est super long, eh bah je sais pas. Parce que c'est vrai que chaque épisode, bah on les fait en général en deux parties. Un coup c'est 30 minutes, 40 minutes. Des fois un petit 25, donc ouais, c'est pas évident de dire bah je stoppe là. Après même l'épisode de la partie 2 peut faire que 10 minutes, moi ça me va. Assieds-toi. Projette-toi. Respire. Qu'est-ce que tu vois? L'île. Il y a quelque chose d'autre, sous l'île. Un lieu obscur. Il m'appelle! Résiste-moi! Je vais laisser basculer directement vers le côté obscur. Cette grotte, je dois voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, pourquoi il boude? Là-bas. Bon allez, soyons des fous, allons faire la grotte. Et après on stoppera vraiment l'épisode. Ah n'empêche, pour des Lego, c'est un open world. Est-ce que ça vaut le coup de faire un open world sur un Lego? Je sais pas, hein, parce que bon, si les quêtes secondaires sont pas terribles, si les gens se concentrent seulement sur l'histoire, enfin, encore une fois, l'histoire, voilà, histoire façon Lego, ah bah, y a pas grand chose à faire. Hein. Parce que bon, les quêtes secondaires, bon, j'ai pas encore commencé, je sais pas comment ça se déroule. Ah bon, si c'est une quête en mode va me chercher du lait,
Mais qu'est-ce donc? Ah. Ok. J'avais même pas fait gaffe au début. Attends. Ouais, et elle est où la deuxième? Ah oui, même si j'avance dans le vide comme ça, le double il avance. Ok. Lequel faire d'abord? Vas-y toi. J'aime bien. Eh, c'est même pas mal. Oh non, les mois pour que c'est déjà fini. Ce qu'il y a autour de moi. Tu vas payer pour ce que t'as fait. Moi, je ne vois que toi. Il est trop tard pour toi. T'as perdu. J'ai retrouvé Skywalker. Il t'a dit ce qui s'est passé? La nuit où j'ai détruit son temple, il avait senti mon pouvoir. Comme il sent le tien. Il en a eu peur. Tu n'es pas seul. Toi non plus. Arrête! C'est vrai! Vous avez créé Kylo Ren? Quittez cette île tout de suite! Ah bon, stop! Boss! C'était vous? Aïe aïe, monsieur, je me suis trompé de touche! Arrête! Comment tu me déçois? Qu'est-il passé? J'ai pensé pouvoir le former, lui transmettre mes savoirs. Snoke avait déjà fait basculer son cœur. Et il s'est retourné contre moi. Mais non! Si j'arrive à le retrouver, Ben Solo repassera de mon côté. Rey, ne fais pas ça. Il est notre dernier espoir. Je vais en finir avec tout ça. Perdu, Ben Solo. Tu as. Perdre Rey. Nous ne devons pas. Ok. Je sais qu'il y a encore du bon en lui. Bon bah écoutez les amis. C'est bon, la fille est parlée, madame. Nous les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je pense que... Bah, on va approcher doucement de la fin de cet épisode là. Donc de toute façon on le garde pour la deuxième partie. Donc voilà, nous on se revoit dès demain à 17h pour la suite de l'aventure. Et puis bah c'est formidable. Merci d'avoir regardé, c'était Willy. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.